Bonjour, c'est Patrick Coutin dans Basique. C'est la balade de Jesus Scott. À 70 ans, Patrick Coutin publie L'Homme Invisible, un 14e album avec lequel il effectue un retour aux sources. Basique retrace avec lui son itinéraire d'enfant du rock. Ma génération, c'est essentiellement une génération politisée au départ. Nous, ce qu'on voulait, c'était changer le monde. C'est un peu avec la déception des années politiques que le rock a pris beaucoup d'importance, parce qu'en même temps, il a émergé comme une musique de contestation, de proposition. Et c'est bien le rock qui fait basculer sa vie. Nous sommes à l'été 80. Coutin, alors journaliste musical, enregistre presque par hasard au mythique studio d'Hérouville son premier album, sur lequel se trouvent 7 chansons. Un moment extraordinaire, mais non sans douleur. Il faut savoir que quand vous n'avez jamais mis les pieds dans un studio de musique professionnelle, où on attend la perfection de vous, et que vous êtes un musicien moyen, vous souffrez beaucoup. Vous entendez subitement tout ce que vous ne faites pas bien, parce que c'est comme vous aviez une loupe sur votre travail. Mais ça reste un souvenir assez merveilleux quand même, je veux dire. Ça a changé ma vie. Aujourd'hui, c'est au Texas qu'il a décidé d'enregistrer son album, un endroit où le rock sonne différemment. C'est du rock, c'est donc une musique binaire, boum paf, mais en même temps il y a ce côté latinos qui vient du Mexique, qui vient aussi de la Nouvelle-Orléans, où ça chaloupe, ce qu'on appelle le Texas Blues, et c'est une musique qui groove. Foncez groover sur L'Homme Invisible, le nouvel album de Patrick Coutin. Les essentiels de Basique ce soir. Cette année, l'Arabofolie célèbre l'amour du 9 au 18 mars à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Rachadas, Yeli Yeli ou encore Mousse Bahari vous y attendent. Et puis Christophe, définitivement, c'est le documentaire de Dominique Gonzalez-Forster et Ange Leccia sur les coulisses d'un concert exceptionnel de 2002. Ça sort en salle demain avec la BO en CD et vinyle. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres.